L'association, comme son nom l'indique, a pour but essentiel la préservation des ports d'Europe. Jacques Blanquen est l'un de ses fondateurs. Eh bien, c'est une association qu'on a créée avec les anciens du Chasse-Marée, à la fois les fondateurs et puis une bande d'amis, pour prendre la suite des grands concours lancés naguère par le Chasse-Marée. Et alors celui-ci, Mémoire des ports d'Europe, il est axé sur la... Comment dirais-je, les ports, évidemment, comme son nom l'indique, et le patrimoine portuaire qui souvent est saccagé, méprisé, oublié par ceux qui transforment ou aménagent les ports. Je dis ceux qui transforment, c'est-à-dire qui font par exemple des ports de plaisance et qui oublient qu'il y a là des joyaux de travail et d'architecture qui sont transmis de génération en génération, qui sont toujours là et qui sont des témoignages formidables de la connaissance des anciens, à la fois en construction portuaire. Enfin, si vous voulez, les ports, hein, c'est un peu le reflet de la lutte de l'homme contre la mer depuis toujours, et c'était l'abri des bateaux. Et bon, quelquefois, ils ne sont pas respectés, souvent même, et c'est la raison pour laquelle on a créé Mémoire des ports d'Europe.